Les ténèbres. Vous ne pouvez pas voir dans les ténèbres. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas voir le danger et les menaces guettant dans l'obscurité des ténèbres. Les esprits malveillants apprécient d'être dans les ténèbres. Il se peut que quand vous allumez une bougie, une lampe ou une torche électrique, le mal s'enfuit, parce qu'ils se sont fait avoir et sont effrayés par la lumière. Mais la plupart du temps, une fois le mal dans les ténèbres, si vous entrez dans leur pénombre, le mal peut vous avoir, même si vous allumez la lumière. Certaines fois, la lumière ne va simplement pas vous aider. N'avez-vous jamais eu cette impression que la nuit, quand vous êtes dans votre lit chaud et confortable, essayant de dormir, les ténèbres vous entourant, quelqu'un ou quelque chose vous observe? C'est parce que c'est bel et bien le cas. Depuis l'obscurité des ténèbres, il vous regarde, jaugeant quand vous attaquez. Mais il est possible qu'il ne vous attaque pas. Il peut arriver que leur assaut soit de vous rendre acléophobique, exactement comme quand vous étiez enfant, quand vous aviez peur des ténèbres et aviez besoin d'une veilleuse. C'est parce que les entités malveillantes prennent le contrôle de votre esprit, vous font penser que quelque chose vient pour vous attraper, comme le croque-mitaine caché sous le lit ou dans la penderie. Mais quand la veilleuse était allumée, toutes vos peurs disparaissaient, tout comme les entités malveillantes. Quand vous êtes dans les ténèbres, vous ne faites qu'attendre que ces entités viennent vous attraper. Vous ne faites qu'attendre qu'un monstre vienne vous arracher le visage avec les dents. Vous ne faites qu'attendre qu'il prenne votre âme. De telles choses n'arrivent que rarement. Certaines fois, les démons jouent avec votre esprit de cette façon. La plupart du temps, après qu'un tel événement arrive, vous ne faites que vous débarrasser de votre peur, portant le blâme sur votre imagination, et aller dormir ou allumer une lumière. Mais ce n'est pourtant pas forcément votre imagination. Les ténèbres, là où une grande partie du mal se trouve, là où notre imagination est titillée, là où les démons se cachent. De mauvaises choses guettent depuis l'obscurité des ténèbres, attendant le bon moment pour passer à l'offensive. Vous pouvez vous trouver en train d'être frappé par un type pas net, ou contrôlé par le mal caché dans les ténèbres. Ce n'est pas juste parce que vous croyez que les ténèbres sont utiles pour dormir, que ça ne veut pas dire qu'il y a de mauvaises choses cachées dedans. Alors, demandez-vous, avez-vous toujours peur du noir ?